Jesus. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Baba, we are in your praises. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall. T'adresser à ce Dieu comme un papa, celui qui a un cœur qui peut aimer un enfant et qui n'abandonne jamais son enfant, qui ne donnera jamais son enfant du serpent à la place d'un poisson, qui ne donnera jamais à son enfant de la pierre à la place d'un pain. Ce Père rempli d'amour, de bonté, de merveilles, de magnificence, ce Dieu rempli de joie, d'équité, de justice, il prend soin de nous et nous amène au plus près de lui. Oh, là où nous ressentons sa chaleur, sa bonté, sa paix. Là où nous ressentons son amour. Là où son amour nous embrasse. Là où sa présence nous remplit d'assurance et de confiance. Là où sa présence nous remplit de paix et de joie. Oh, là où sa présence nous remplit de justice des cieux. Seigneur, nous te célébrons. Tu es pour nous un Père, Jésus. Et nous voulons nous approcher de toi comme des enfants, Père. Comme des enfants, nous voulons nous approcher. Béni sois-tu, agneau des dieux. Oh, béni sois-tu, Jésus. Oh, disons-le-lui encore, Baba. Baba, Baba. De ta paternité, Jésus, amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de toi, ou Seigneur, dans le Saint des Saints. Oh, là, nous pouvons t'adorer sans relâche, Jésus. Amène-nous dans ce lieu saint. Oh, là, où nous entrons, Seigneur, sans protocole. Là, où nous entrons, Seigneur, sans blocage, Jésus.
N'est-ce pas, tu as dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance, Seigneur. Oh, fais-nous entrer dans ce lieu très saint. Nous voulons entrer, Seigneur, y demeurer, Jésus. Demeurer dans ta présence, Seigneur. Oh, mon Dieu, entre avec assurance, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Oh, Dieu, encore la profondeur de ta présence. Seigneur, savourer, Seigneur, oh, l'immensité de ton amour. L'immensité, Seigneur, de ta paternité. L'immensité d'un Dieu infini, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, nous voulons prier, Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer. Disons-le ensemble, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de je t'adore.
Seigneur. Je reviens encore, Seigneur, je t'adore encore une fois. Oh Seigneur, je t'adore. Oui, je parce que tu es saint et nous nous confions en toi. Merci de nous ramener, de nous approcher, Seigneur, de plus en plus près de toi. Nous célébrons ta présence, Jésus, le seul lieu, Seigneur, où nous retrouvons notre refuge, le seul endroit où nous retrouvons notre force, le seul endroit où nous retrouvons notre existence, Jésus, la raison de laquelle nous vivons. La raison pour laquelle nous vivons, Seigneur, dans ta présence. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes entrés pour t'adorer. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas me dénoncer.
Amen. Entrons vraiment dans le message ce matin. Je suis béni et que Dieu vous bénisse vraiment pour cette invitation. C'est vraiment une grâce. Genèse chapitre 6, le verset, à partir du verset premier, vraiment suivez. Suivez la lecture, elle est un peu longue, mais nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Le verset premier dit, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Verset 3, « Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Verset 4, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Ils en firent de même après que les fils de Dieu firent venir vers le fils des hommes, et que leurs eurent donné. » Des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il le fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme de l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Suivez maintenant le verset 8 qui est très compliqué. Il dit, « Ma Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Est-ce que tu peux mettre à la place de Noé ton nom? Philippe trouva grâce aux yeux. Comment vous vous opposez ce matin? Oh! Mais remplace ton nom, répète avec moi. Tu as trouvé grâce en Jésus, non? Mais remplace que tu as trouvé grâce ce matin devant la face de l'Éternel. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On continue la lecture, on va y revenir. Voici la postérité de Noé. Il dit, voici Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrivée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Et la place la plus chaude maintenant, c'est le verset 14. « Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu enduiras des poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de la hauteur. » Amen. Dis à ton voisin, ça c'est les mesures que devait avoir l'arche. Si vous regardez la lecture, vous allez voir qu'avant Noé, la terre était déjà animée de la violence. Et même au temps de Noé, il y avait de la violence, il y avait de la méchanceté. Et pour que le Seigneur, comme dit que Dieu, c'est le Dieu de multi-solutions, c'est qu'en toutes circonstances, l'Éternel est bon. Amen. Au temps de Noé, puisque Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, dis à ton voisin, quoi qu'il arrive, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tellement que Dieu avait arrêté qu'il fallait détruire. Au temps de Noé, le Seigneur dit que comme je me suis trouvé un homme qui s'appelle Noé, c'est que je peux faire grâce
à quelqu'un ce matin. Amen. Mais écoutez ce matin, suivez-moi pendant que je suis en train de m'acheminer vers le message. Écoutez ce matin, Noé dit, Dieu dit à Noé, construis l'arche. L'arche était dans le but, dans l'objectif. Autrement dit que l'arche, c'est l'image de la nouvelle Jérusalem. Il fallait que cette arche soit construite pour épargner. Autrement dit que on est arrivé au temps où que Dieu est en train de sélectionner. Vous allez voir à la fin, ce n'était pas n'importe qui était entré dans l'arche. Dis à ton voisin, je suis destiné à entrer dans l'arche. Ah, soyez là cet après-midi avant. Dis à ton voisin, tu es destiné à entrer dans l'arche de Dieu. Ce n'était pas tout le monde, parce que la terre était remplie de la méchanceté, de violence, de la corruption, dit la Bible. Mais une chose de particularité, et Dieu avait dit à Noé, construis parce que le déluge va arriver. Amen. Le déluge va arriver, mais Dieu a toujours le plan de la solution. Amen. Mais quelque chose qui va faire l'objet de mon message ce matin, c'est le verset 14 et 15. Fais tout ce que Dieu te demande de faire. Tourne à ton voisin. Fais tout ce que Dieu te demande de faire. Oh là là, est-ce que vous êtes là ce matin? Il dit à Noé, fais, l'arche. Il donne des mesures qu'il fallait pour l'arche. Donc ça voulait dire que si l'arche que tu vas construire, que si les mesures n'étaient pas exactes, l'arche va couler, l'arche fera un naufrage, l'arche va se noyer. Si tu ne respectes pas la réglementation de Dieu, tu vas couler. Amen ou pas amen? Amen. Sois un peu bouillant ce matin. Oh. Il dit à Noé, construis l'arche. Dieu donne la mesure de la longueur. Ça voulait dire que si tu prenais 299 centimètres ou mètres, l'arche allait faire naufrage. Fais ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que je peux crier encore? Fais ce que Dieu te demande de faire. Parce que si tu ne respectes pas la mesure de la longueur, tu tomberas. Si tu ne respectes pas la mesure de la largeur, tu feras naufrage. Si tu ne respectes pas la hauteur, tu feras naufrage. Dis à ton voisin, fais ce que Dieu te demande de faire. Vous allez voir pourquoi des hommes et des femmes, même nous les enfants de Dieu, nous faisons des naufrages parce que nous ne respectons pas la mesure de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Si vous regardez dans Exode chapitre 25, verset 40, tu feras le tabernacle selon le modèle qui te sera révélé. Ne fais pas comme les Européens, mais fais selon que Dieu t'a montré. Fais comme Dieu t'a dit. Fais comme la parole dit. Fais comme l'oracle a dit. Fais comme la prophétie a dit. Fais comme le songe a dit. C'est alors Dieu va approuver. Pourquoi le mariage? Pourquoi il y a tant de divorces? Parce que les mariages n'ont pas les vraies mesures. Beaucoup ont anticipé dans les mariages. Hey, Dieu a dit n'est pas bon. Amen.
pourquoi ton mariage est en train de vaciller? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un dans la salle sur le mariage? Pourquoi il y a des naufrages? Pourquoi il y a des incompatibilités de caractère? Parce que tu n'as pas fait selon Dieu. Tu n'as pas fait selon la mesure de Dieu. Oh, c'est calme, hein? Amen. Je ne vais pas changer de sujet. Revenons sur le mariage. Jeunes gens, vous qui ne vous n'êtes pas mariés, n'anticipez pas dans les mariages. Et il y a beaucoup qui ont déjà anticipé, hein? Les naufrages sont possibles. Fais selon le modèle qui t'a été révélé. Le Seigneur parle de mariage, mais les gens dans cette génération parlent de copines, copains. Tout le temps, ma copine, ma copine, ma copine, ma copine. Tu as 50 ans, ma copine, mon copain, ma copine. Tu as 55 ans, mon copain, ma copine. Tu as 60 ans, mon copain, ma copine. Quel est ce jour-là, ça sera ma. Sortez! Ce n'est pas la vraie mesure. Ce n'est pas la vraie mesure. La vraie mesure, c'est ce que Dieu a dit. L'homme quittera. La femme quittera. Les deux deviendront une seule chair. Il faut se marier. C'est ça la vraie mesure. Je vais avancer, mon frère. Savez pourquoi des fois, certaines femmes ne préparent pas bien? Parce que tu ne les as pas épousées. Une femme que tu n'as pas honorée devant Dieu, devant ses parents, devant l'État. Mais c'est pour ça, vous voyez, il y a tout le temps des bouillons dans la maison. Une femme que tu as honorée, mais elle va aussi t'honorer. N'est-ce pas que Sarah a appelé son mari, mon Seigneur? Depuis qu'on a commencé, Jean, la femme ne te respecte même plus. Jean, Pierre, no way, tu ne l'as pas honoré. Fais les choses selon la mesure de Dieu. Du 1er janvier au 31 décembre, que bouillon. Oh, pour que tu maigrisses, tu es déjà maigre. Il y a un problème. Dis à celui. Quand Douglas suivra ce message, il va dire, pasteur. Pasteur, si tu reviens, dis à tous ceux qui ne sont pas mariés d'honorer leur femme. Mais au moins, on lui a envoyé un message. Ah oui. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Amen. Parce que la conséquence, c'est quoi? Si vous regardez dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1, vous allez voir, lorsque le tabernacle était construit selon le modèle, la Bible dit, Salomon s'était mis à présenter. Et la Bible dit, lorsque Salomon a fini à présenter ce qui a été fait selon le modèle révélé, la Bible dit, la gloire de Dieu descendue. Ce qui peut faire descendre Dieu, c'est le modèle de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de succès avec l'homme et la femme tu as pris? Est-ce que tu l'as épousé selon le modèle de Dieu? Parce que lors de la présentation, il faut que le ciel souffre. L'homme ou la femme que tu as épousé, même devant Dieu, tu as un droit d'ouvrir le ciel. Ne venez pas me dire que ma femme n'a pas des enfants. Est-ce que tu as anticipé ou tu as fait les choses selon la Bible? Oh, j'aime Élie. Il dit, Seigneur, là j'ai fait toutes choses selon ta parole. J'ai fait l'autel. J'ai fait comme tu as recommandé. Mais que l'on sache que j'ai fait des choses selon ta parole maintenant.
le feu descendu. Ah, c'est ça. Trop d'anticipation. D'autres femmes disent, c'est les désirs notre, c'est la grossesse non désirée. Les mariages aussi étaient non désirés. Vous voyez trop de désirés là-bas. Dans un naufrage. Des naufrages. Oh, si il y a des gens qui sont mariés, puissent lever leurs mains au ciel, dire, Seigneur, avec l'homme et la femme que tu m'as donné, c'est jusqu'à ce que tu reviennes. On ne se séparera jamais. C'est la vraie mesure de Dieu. Quoi qu'il arrive, je prophétise, le ciel s'ouvrira sur le mariage. Fais les choses selon les mesures de Dieu. L'impudicité n'est pas la vraie mesure, ça fait couler l'arche. Hey. Je vais avancer, mon frère. J'aime des gens qui m'encouragent comme ça. Ah ben oui. Je ne sais pas pourquoi les gens sont devenus impudiques à Paris. Est-ce que c'est à cause de froid ou comment? Non. Qu'il pleuve, qu'il neige, Noé était juste et intègre. Ce n'est pas la saison qui peut limiter l'intégrité. Qu'il pleuve, qu'il neige, Joseph a refusé de coucher à la femme de Potiphar. La mesure de Dieu, c'est l'intégrité. Je n'ai personne pour m'encourager. La mesure de Dieu, c'est la virginité. La mesure de Dieu, c'est l'honnêteté. La mesure de Dieu, c'est la justice. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour des prochains. Quoi qu'il arrive, il faut rester intègre. Nous autres, on s'est mariés vierges. Est-ce qu'on est mort? Oh, pour avoir de l'expérience. Quelle expérience tu veux? Tu vas couler. C'est des fausses mesures. Et je t'épouse, tu commences à me raconter ce que tu as fait avec Jean-Pierre, avec Monsieur Dibro. C'est des fausses mesures. Amen. Oh, je peux dire à quelqu'un, garde-toi, le mariage arrive. Ce n'est pas à cause des papiers. C'est une fausse mesure. Amen. Oh, c'est les enfants qui donnent le papier. Mais la Bible dit quoi? Tout don parfait, grâce excellente. Vient de qui? Est-ce que vous pouvez me répondre? Vient de qui? Il a dit que le ciel et la terre m'appartiennent. Tout lieu que fleurira la plante de tes pieds, je te le donnerai. Jésus est. Tout don parfait vient de Dieu. Comment nous, on n'avait pas de papiers, on a eu des papiers? Est-ce qu'on a fait des enfants? Tous, on a eu les quitter les territoires. Mais une chose est vraie. Fais l'arche selon les mesures. Ah. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Acte dit que Dieu n'a pas besoin de bras d'homme pour l'aider. Dis à ton voisin, arrête d'aider Dieu. S'il est Dieu. Quelqu'un peut comploter pour moi si il est Dieu. Oh, des lecteurs de la Bible. S'il est Dieu, qu'il fasse quoi? Quand je vais partir là, des versets vont m'en sortir. S'il est Dieu, qu'il agisse pour nous. Amen.
Tu as des difficultés parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Amen. C'est pour ça qu'il y a des naufrages, mon frère, ma soeur. Prenez Jean chapitre 2. Vous allez lire ça chez vous. Jean chapitre 2, verset 1, jusqu'au verset 7. C'est au mariage de Cana. Arrivé à un moment donné, on vient dire à Jésus, il n'y a pas de vin. Hein? Mais écoutez ce que Marie a dit. Il est parti voir les gens qui avaient invité du monde. Il a dit, faites ce que Jésus vous dira. Marie dit, faites ce que il vous dira. Demande pas à ton voisin, pourquoi tu contredis Dieu? Les gens croient quand ils sont beaux, ils sont belles, ils sont des stars. Tu vas faire naufrage. Moi, quand je vois quelqu'un en train de tourner dans les églises, il a déjà fait naufrage. Ah ben oui. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Ne faites rien. Faites selon la direction. C'est là où il y a le miracle de ta vie. Fais ce que Dieu te demande de faire. N'est-ce pas? Marie commence à sensibiliser du monde. Fais ce qu'il vous dira de faire. Mais lorsque Jésus a commencé à dire, remplissez les vases d'eau. Quelle usine! Quelle usine! Sans fruits, sans raisin. Mais l'eau est devenue du vin. Ah non! Non! Quelle usine! Il n'avait même pas de produits chimiques. Il n'avait pas de chlorure de sodium. Il n'avait rien. Il n'avait même pas imposé les criches de main. Mais il a dit, remplissez d'eau. Dis à ton voisin, ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Remplissez d'eau. Tout le monde est en train de bouder l'eau. Donc nous allons boire de l'eau. Le maître a dit, remplissez d'eau. Dis à ton voisin, la suite, c'est l'affaire de Dieu. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Ne demande pas si Jésus a fait de la chimie ou pas. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Au commencement, j'étais. Je connais la science plus que les hommes. Il dit, remplissez d'eau. Certainement, il y avait des curieux comme ce matin, eux. Certainement tout le monde était en train de regarder ce qui allait se passer. I am the Lord that he led me. I am the Lord my healer. You sent your word and you heal my desire. You are the Lord, my healer. C'était une circonstance très confuse. Les gens obéis ont amené des criches remplies d'eau. Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais ce que seulement Dieu te demande de faire. Si c'est l'obéissance, obéis. Si c'est l'obéissance, obéis. Et Dieu fera la suite. Il est derrière l'obéissance. Ah ben oui. Ils ont rempli, tout le monde regarde eux. Oh, Dieu va éclater sa gloire derrière le vide de ta criche. Dis à ton voisin, ta criche sera remplie, quoi qu'il arrive. Ils ont obéi. Et Jésus a ordonné. L'eau est changée en vin. J'aime ce que la Bible dit. Les bons vins. C'est qu'ils avaient acheté des mauvais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les bons vins arrivent du Dieu du ciel. C'est celui qui peut amener du bon vin. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour le mariage.
Il n'y a jamais eu les bons vents. Est-ce que tu peux attendre à Dieu? Je suis en train de parler à quelqu'un tout à l'heure, j'entendais dans mon oreille. Tu as essayé avec le mauvais vent, mais essaie cette fois-ci selon les recommandations divines. Si le premier t'a déçu, il est parti. Le deuxième t'a déçu parce que ce n'était pas le bon vent. Le bon vent viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est celui qui amène les bons maris et des bonnes femmes. Amen, amen, amen. Vous savez, la jalousie ne vient pas de Dieu. Amen. Quand tu soupçonnes ton mari, ta femme, il n'y a pas une bonne mesure. Amen. Amen. Dis à ton voisin, aie une bonne mesure ce matin. Bah, Junior, je peux avancer ou pas? Je m'arrête là. J'avance, ça va chauffer. Regardez dans 1 Samuel chapitre 15, un exemple majeur. Dieu dit à Samuel, écoutez-moi bien vraiment en tout cas. C'est Dieu qui dit à Samuel, Samuel, je t'ai établi roi, petit, mon petit de confiance. Mais je vais t'envoyer dans une mission à aller détruire Amalek. Mais ne prends rien, n'épargne personne. Écoutez-moi bien. Vous savez, Dieu est clair. Dieu, quand il parle, il attend d'abord que tu comprennes ce qu'il a dit. Oh. Si tu n'as pas compris les rêves, Samuel, quand il était dans le temple, première fois Dieu lui est apparu, il n'a rien compris. Deuxième fois, il n'a rien compris. Troisième fois, il a dit, ok, j'ai compris. On envoie Saül. Je vais te dire quelque chose, que quand tu n'appliques pas ce que Dieu te demande, tu seras disqualifié. Parce qu'aujourd'hui, surtout les Africains, si un malheur t'arrive en Europe, c'est des sorciers de la famille. Dis à ton voisin, laisse le sorcier là tranquille. C'est un problème de la mesure de Dieu. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et la Bible ajoute qu'il sera au milieu de nous, autour de nous, comme une miraille de feu. Bon, dis-moi un peu, tu es en Christ. Comment est-ce que le sorcier peut pénétrer Jésus dans l'intestin, aller te bouffer dans le cœur de Jésus, et Jésus dort? Non. 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 Il y a eu la tempête. Mais pourquoi ils ont massacré, nous périssons? Mais alors, celui qui a créé la tempête était à côté de lui. Dis à ton voisin, réveille Jésus. Dis à ton voisin, réveille Jésus. Tu ne vois pas les copains là en train de te faire couler, non? Réveille Jésus de calmer la tempête. Je peux dire quelque chose prophétiquement. Que s'il y a quelqu'un qui est en trouble dans sa famille à l'instant que je parle, je prie le Seigneur que Dieu ramène la paix. Vous n'allez jamais me comprendre, ne vous inquiétez pas. C'est après que je vais partir, vous allez dire, ah, il avait dit c'était pour telle personne. Amen. Je sais ce que je dis. Amen. Amen. Fais la vraie mesure, mon frère, ma soeur. Fais ce que Dieu te demande de faire. Saül, on l'envoie. Compris, oui. Je ne sais pas si dans quelle langue Dieu lui a parlé. Si c'est en anglais, you understand? Yes, Lord. Il part. Au lieu de détruire Amalek, il a commencé à faire le contraire de la pensée de Dieu. Tu bâtiras le tabernacle selon le modèle. Il épargne des animaux. Il épargne tel roi. Est-ce que Dieu lui a dit ça? Détruit. Amen. Détruit. N'est-ce pas que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux?
Bon, dis-moi un peu avec ces copains-là. L'église prêche, laisse des copains, tu ne veux pas. Pourquoi tu insistes avec ces copains-là? Parce qu'ils te donnent de l'argent. Parce qu'ils te lâchent. Oh, parce qu'ils me donnent un peu de l'argent des poches. Et notre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Oh, vous n'êtes pas là. Est-ce que Dieu ne peut pas pourvoir? Moi aussi, j'étais célibataire. Hein? Vous croyez que moi aussi, on ne me faisait pas... Quelqu'un peut m'aider? On ne me faisait pas quoi? Bon, d'autres font des clins d'œil, d'autres des avances. Hein? Il y a d'autres femmes là pour te draguer. Toi, l'homme, il te fait beaucoup de cadeaux. N'est-ce pas? Ah, mes frères, il faut avoir des gros yeux hein, pour analyser. Surtout les femmes là qui travaillent là. Il faut faire très attention. Il faut venir voir le pasteur Douglas s'il y a tout le temps des cadeaux. Je me rappelle, j'ai dit des choses vraies. Hein. Il y a une sœur, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a une sœur ici à Paris. Elle m'a vu quelque part. Oh, je sens dans mon cœur, tu vas m'épouser. Est-ce que tu es vraiment la vraie, mes yeux? Ah! En tout cas, je peux continuer? C'était chaud, hein? Et comme elle parlait le français plus que moi, je disais, ma soeur, je comprends tout ce que tu es en train de dire, même ce que tu ne m'as pas encore dit, je le comprends par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas que l'Esprit des prophètes est soumis aussi aux prophètes? Un jour, l'Esprit m'a saisi. Je l'appelle, viens. Hey, il faut être dynamique hein, et solide. J'ai dit, assieds-toi là. Je me suis mis à prophétiser. Dis là où tu pries. Le Seigneur est en train de me montrer. Il y a un monsieur, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Le Seigneur m'a dit, c'est celui qui va t'épouser, ce n'est pas moi. Ah, il faut être solide. Hein. Je vois quelqu'un. Je lui ai même dit, cette personne t'a déjà demandé la main, tu avais déjà refusé. Mais le Seigneur m'a dit, c'est lui, à ton église. Et je ne connaissais même pas son église. Et l'onction nous évite aussi des problèmes aussi. Ah ben oui, et ça s'est effectué tel que je lui avais dit. En 2003, je pars en mission en Belgique, à l'université de Liège. Il faut faire les choses comme Dieu t'a demandé. Une autre sœur, très courageuse, beaucoup de Français. Oh, c'est toi. J'ai dit, mais quelle est cette onction que les femmes me proposent le mariage? Ah! À un moment donné, j'ai dit, bon, je pouvais demander, chercher un pasteur pour prier pour moi. Ah! L'Esprit me dit, non, le Seigneur me dit que ton mari, c'est un étranger, ce n'est pas un noir, mais ça sera un blanc. Avec précision, ça m'évite des problèmes. Exerce l'onction aussi pour aider les autres. Et aujourd'hui, tel que je l'avais dit, ça s'est effectué. Ça m'a calmé. J'ai commencé à prier à l'âge de 19 ans pour la femme. Je me suis marié à l'âge de 28 ans, 10 ans après. J'ai cherché une femme métisse. Vous connaissez la couleur de ma femme? Contraire de ce que j'ai demandé. Fait selon le modèle de Dieu. J'ai évité toutes les femmes de teint noire dans ma vie. Allez à Rouen, vous allez voir. Ce que j'ai évité, c'est ce que Dieu m'a donné. Un jour, le Seigneur m'a posé la question, es-tu le créateur ou la créature? Fais ce que Dieu te demande de faire. Dis à ton voisin, fais ce que Dieu te demande de faire. J'ai accepté, hein, même si c'était teint noir là, moi. J'ai accepté. Hein. Je ne suis pas en bonne santé. Il m'a fait 3 beaux enfants, non? La gloire n'est pas à Dieu. Mais le métis, elle allait m'amener où?
fais les choses selon Dieu. Des fois, ce que tu évites là, c'est ce qui a ta bénédiction. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je peux avancer ou pas? Je vois que les versets qui restent là sont plus dangereux encore. Ah oui, il faut faire les choses, même dans le ministère. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ah ben oui, sinon tu vas couler. Dieu n'a jamais demandé à un homme de Dieu, va demander de l'argent au peuple de Dieu. Non. Non, Dieu n'a jamais demandé ça. Lorsque Balaam s'est détourné de Dieu, il est entré dans cette histoire-là d'argent. Il a coulé. Dis à ton voisin, préserve ton ministère au nom de Jésus. La Bible dit, la prédication, le royaume n'est pas les manger, les boire. C'est la révélation. Faites chose selon la révélation. Ah ben oui. Beaucoup sont en train de faire naufrage. Tu as des diplômes. Oui, je voulais être, c'est ma assistante sociale. Il n'y a pas le travail aujourd'hui. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ah, c'est ça. Trop de chômage, vous ne demandez jamais au Seigneur. Parents, demandez au Seigneur de maintenant la direction des études de vos enfants. Sinon, vous allez retrouver tous au Pôle emploi. Ça vous parle ou pas? Ah ben oui. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant le pain. Dis à ton voisin, tes enfants ne seront jamais des mendiants. Fais ce que Dieu te demande de faire. Saül, Dieu s'est repenti. Moi, je te demande de détruire, toi, tu dis non. Tu deviens écologiste ou défenseur de la nature ou comment? Ah, c'est ça le problème qui est là. Moi, j'ai dit tu, toi, tu dis non. Ça va polluer. Bon, Dieu s'est repenti d'avoir établi. Voyez comment des ministères que Dieu est en train de vomir. C'est lui qui est ni chaud ni froid. Dieu le vomit. Je vous dis la vérité. Et s'il m'a dit de vous donner ce message, ça aura de l'effet. Fais les choses selon le modèle de Dieu. Tout le temps tomber avec des sœurs. Dis-moi un peu. Il y a quelle maladie en toi? Non. Je me demande, il y a quelle maladie en toi? Non. Pourquoi ça ne nous est pas arrivé? Nous aussi on a prêché aux sœurs, non? Je ne suis pas beau. Bon. Que Dieu soit béni. Ah ben oui. La gloire ne descend que lorsque nous faisons les choses selon ce qui est écrit. C'est là. Dieu n'exauce pas les pécheurs, dit la Bible. Mais tous ceux qui font la grâce, la volonté de Dieu, Dieu les exauce. Ah ben oui. Il a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Comment tu es dans le péché? Et tu dis, enfant de Dieu, tu es déjà rayé. Beaucoup sont déjà rayés. Ou c'est les étiquettes qui fonctionnent, mais la main de Dieu a déjà été retirée. Saül est resté pendant 40 ans, alors Dieu l'avait déjà abandonné. Beaucoup soignent l'apparence. Dis un peu à ton voisin, est-ce que Dieu est vraiment avec toi? C'est difficile à répondre, hein? Hein? Ah ben oui, on doit faire ce que Dieu demande de faire. C'est ce qui va attirer la présence de Dieu, la permanence de Dieu.
Il a dit, je serai avec vous tant que vous serez avec moi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Dis à ton voisin, abandonne l'esprit contraire. Ah oui. Oh là, j'avance, là, j'avance. Là, si là, j'avance, c'est Dieu qui l'a fait avancer. Gloire soit rendue à Dieu, non? Ça voulait dire qu'il y a des promesses que Dieu a faites dans ta vie qui ne sont pas encore accomplies. Mais là, j'avance, ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des bêtises, il ne faut pas désobéir à Dieu. Si là, j'avance, on doit grandir dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la crainte de Dieu. Si là, j'avance, c'est que ça voulait dire que Dieu est en train de te placer à être une icône de ta génération en âge. Parce qu'à 50 ans, s'il n'y a pas la sagesse, c'est qu'il y a un problème. J'ai connu des pères spirituels qui sont morts parce qu'ils ont abandonné la vraie mesure de Dieu. Ils ont abandonné la direction de Dieu. Ils sont décédés. Fais les choses selon ce qu'il t'a dit. Prenons notre cas. C'est le cas de Akan. Dans Josué chapitre 7, verset 1 à 26. Dieu dit, ben, vous irez en guerre contre Haï, mais ne prenez rien. Ne prenez rien. Ne prenez rien. Tu te comportes mal, la désobéissance, l'adultère, le vol, le mensonge, la malhonnêteté. Te voilà dans l'évangélisation. Recevez Jésus, 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 Jésus. La gloire ne descendra jamais. Et tout ce que tu dis n'aura aucun effet. Que Dieu me prive de tout, mais ne me prive jamais de sa présence. Ça, c'est ma prière tous les jours. Je ne cherche jamais la gloire, même dans le ministère. Je cherche à entrer dans l'arche, que je ne coule pas. Parce que la Bible dit, il y a une place qui est d'en haut dans le ciel. Il dit, je m'en vais vous préparer. Je pense toujours à ces brigands à côté de la croix de Golgotha. Il n'a rien fait, mais il a eu confiance. Il est dans le royaume des cieux, tranquille. À quoi servira un homme de gagner la terre et de perdre son âme, dit la Bible. Ne fais pas les choses comme le West Africain dit, façon, façon. Amen. Dis à ton voisin, on veut des vrais mariages. Ah oui, pas des pacs, pas des communautés de biens séparés. Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Des divisions. Chacun a sa marmite dans la maison. Ça sert à quoi? Chacun a sa couette. Ça sert à quoi? Est-ce que je peux parler? Ça sert à quoi les hommes qui cachent leurs cartes bancaires aux femmes? Ça sert à quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un pour dire un grand amen? Si ton mari est là, dis encore amen! Transparence. Quand tu as l'argent, tu deviens colérique. Tu as les yeux comme les yeux de Matt Tyson. Comme ça là, comme si tu ne regardes pas. On ne te soupçonne pas. Akan a fait échouer tout le monde. C'est un camp majeur aussi, Dieu dit, ne prenez rien. Il a pris désobéissance. À cause de ton comportement, peut-être cette église a des freins, des problèmes sérieux. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Ah oui, la sainteté, c'est la vraie mesure. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 3, car ce que Dieu attend de vous, c'est votre sainteté. Ah ben oui.
tu te caches, Dieu te voit. Dis à ton voisin, l'œil de l'Éternel est sur cet endroit. Un autre exemple majeur, c'est dans Marc chapitre 10, verset 17 jusqu'au verset 21. C'est vraiment le cas de ce jeune homme riche. Il y a d'autres personnes là qui aiment les impressions dans les églises. Jésus lui dit simplement, il dit mon frère, il vient, ô maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Ah, il vient impressionner Jésus. Vous savez, certaines personnes, quand tout va bien, c'est des impressionnistes, même dans les ministères. Oh là, baba, ce n'est même pas l'onction parce que tout va bien. Attends, quand tout ira mal, s'il va sauter encore. Maître, que dois-je faire? Ah, Jésus regarde la personne. Oh, il faut obéir au commandement. Oh, je l'ai fait facilement. Petit problème, j'observe et tout. Ah, il faut Jésus, il faut la révélation. Jésus regarde, il dit, bon, va, il te reste une seule chose. Va, donne aux pauvres. Et vends tout, et suis-moi. Depuis qu'il est parti, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que je prêche, il n'a pas fait ce que le maître lui a dit. Depuis qu'il est parti, on l'attend, non? Jésus risque même de revenir. Où est le jeune homme riche? Va. Combien sont accros à la richesse? Combien sont accros? Il y a d'autres femmes qui exagèrent aussi dans les maisons. Oui, il faut m'acheter des bijoux, non? Les placos, là, les Chinois ont fait des 5. Ça ne peut pas t'embellir, mon frère, ma soeur. Est-ce que les sœurs sont là? Soyez sobres, c'est la mesure de Dieu. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et moi, je m'étais marié, j'étais au foyer. Hein. Vous savez, il y a eu des réunions à la belle famille là-bas. Il est au foyer. Mais c'est parce que Dieu était au foyer, non? Oh. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah ben oui. On a fait des réunions. Est-ce qu'il a des papiers? Est-ce que c'est le problème? Il a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, le Seigneur me dit d'épouser. J'ai commencé à agir par la foi. Déjà, je l'ai eu par la foi pour sa peau. Bon, deuxièmement, il n'y a pas l'argent. Bon, voyez un peu, c'est des difficultés, non? Il fallait seulement exécuter. Ah! J'aime ma belle-mère. Des fois, quand il me regardait, certainement, il me disait, est-ce que... Je pourrais dire ça, Linga, oh, coca. C'est comme s'il disait, est-ce que tu parviendras à m'épouser, ma fille? Je n'avais rien au foyer. Mais le jour du mariage, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Oh, il faut demander à ma belle-mère, elle va témoigner. Ah ben oui, fais ce que Dieu te demande de faire. Ne regarde pas ce que tu es. Oh, dis à ton voisin si tu es célibataire. Non, on va m'épouser bientôt. Oh, ne regarde pas les frères qui se baladent ici. Ils viennent chercher Jésus. Amen. Oh. Ne faites pas de frères de cible là pour rien. Je suis pasteur, je connais ces choses. Ah ben oui, fais ce que Dieu te demande de faire. Moi, le Seigneur m'a montré, engage-toi maintenant dans le mariage. J'ai dit à la sœur, en tout cas, il faut qu'on se marie. Oh, la sœur me dit, oh. Je dis, oh, moi on m'a dit... Vous savez, la foi, c'est une folie. Hein? Vous allez discuter pour rien. Depuis qu'on s'est marié, on ne fait que progresser, 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 mais dans la crainte de Dieu. Vous
Vous allez voir des chrétiens, ils sont ici. Dans leur maison, si vous partez, il y a des disques de Michael Jackson. Ils sont ici. Oh, ça fait un peu du bien, ça fait penser, ça calme les cœurs. Ah, oh, ça fait ceci. Oh, ceci. Fais les choses selon la mesure de Dieu. Quand Dieu te dit ces choses-là peuvent te tuer, là, il faut obéir à Dieu. Hein? Mieux vaut obéir à Dieu qu'à des hommes. Il ne faut jamais chercher à faire plaisir à soi. Il y a beaucoup de gens ici. Il suffit qu'on mette une musique là, mondaine ici. C'est belle. Il dit. Beaucoup font des coupés décalés. Vous savez, si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Tu es déjà mort. Dis à ton voisin, sois mort pour Dieu. Le jeune homme riche, depuis qu'il est parti, Dieu lui a dit, va et donne aux pauvres. Vous savez, donner, c'est difficile. Hein? Dis un peu à ton voisin, apprends à donner. Hein? Il y a des gens, ce n'est pas dans leurs mains, ce n'est pas s'ils ont des cailloux, je ne sais pas quoi. Mais oui, dis à ton voisin, je t'ouvre mes mains maintenant. Faut donner. Il y a d'autres qui ont du mal à donner hein, à leurs femmes, même dans les maisons. Faire des cadeaux, ça ne coûte rien. Que des versets bibliques là. Il faut être pratique. Chaque chose a son temps. C'est pour ça que vous avez des bouillons tout le temps. Parce que tu ne donnes pas. Une femme auquel tu n'offres pas des trucs, toi tu peux commencer à bien te préparer des trucs. C'est pour ça que quand tu viens le soir là fatigué, tu dis, va à la cuisine. Tu ne fais pas des cadeaux. Fais les choses selon Dieu. Je peux avancer ou pas? Il y a un autre cas chaud là. C'est le cas du général Naaman, les Syriens qui avaient refusé de se jeter dans l'eau. Vous pouvez voir ça dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Vous savez, quelqu'un qui vient de trop loin pour la guérison. Il a risqué, il a fait, je ne sais pas, une ou deux semaines, je ne sais pas. Il arrive chez le prophète Élisée. Élisée lui dit, le Seigneur m'a dit, va te laver cette fois et ton sida, ta lèpre sera guérie. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui était plus difficile hein, d'aller se laver? On voit le monsieur en train de tourner devant l'eau. Oh. Même les subalternes lui disent, chef, qu'est-ce qu'on t'a dit de plus difficile? Oh, fais tout ce qu'on te demande de faire. Vous imaginez un peu? C'était simple. La révélation était simple. Ainsi dit l'Éternel, tu seras guéri que si tu te laves cette fois. Oh! Il a commencé à tourner. Des fois, c'est toi-même qui fais retarder les miracles dans ta vie. Tu as déjà reçu. Si Dieu te parle, vous savez, hein, c'est de tac au tac. Quand Dieu te dit quelque chose, à l'instant, Dieu entre déjà au travail. Si Dieu te dit, abandonne tout, sers-moi, mets-toi au service. Là, c'est tout. Combien il y a de Naaman dans la salle ce matin? On te dit quelque chose, tu refuses. Mais pourtant, tu souffres, c'est pour ton bien. Quand on dit arrête l'impudicité, c'est pour ton bien. Et allez, les sida. Moi, je n'ai pas la force de visiter des frères et des sœurs à l'hôpital. Hein. J'aime aller évangéliser. Mais quand tu es quelqu'un que tu as été averti, tu vas périr tout seul. Ah ben oui. Il y a des Naaman. Il y a des choses qui ne marchent pas dans vos vies. Mais du jour le jour, le Seigneur est en train de vous parler.
Mon serviteur, mon fils, abandonne, 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 reviens sur la voie. Mais abandonne! Le serviteur de la main dit, chef, mon général, mais qu'est-ce que cet homme a dit de compliqué? Mais descends dans l'eau. Dis à ton voisin, descends! Il faut descendre dans l'eau. Mais l'eau purifie. Purifie-toi. Et le miracle va s'établir. Fais ce que Dieu te demande de faire. Naaman, lorsqu'il est descendu, s'il pouvait être quinoa, il dit, Nabiki, 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 Nabiki. L'obéissance peut provoquer la guérison dans ta vie. Les gens aiment des incantations. Imposez-moi le main. Je t'aime. Obéis d'abord à ce que Dieu te dit de faire. L'homme de Dieu te dit, n'épouse pas cet homme, cette femme. Oh non, c'est celui que j'ai trouvé, l'homme selon mon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. On a vu des gens venir avec des révélations. Pasteur, Dieu m'a parlé pour cet homme-là. Non, une personne qui te dit comme ça, qu'est-ce que toi tu peux lui dire? Courage, va. Tu vas faire naufrage. Vous savez, même toute prophétie doit être aussi approuvée, confirmée. Des prophéties là toutes seules. Oh, Dieu m'a dit. Attends que Dieu utilise d'autres personnes pour te les dire qui c'est ça ou pas. Vous savez, même encore de la route là, quand tu vois le premier panneau de la limitation de la vitesse, c'est suivi d'un autre panneau qui va te faire rappel de cette vitesse-là. Hein? Si c'est 50, c'est rappel sur 50. Hein? Sinon, non, naufrage. Radar mobile. Ah oui. Beaucoup ont déjà fait naufrage. Dis à ton voisin, pourquoi tu es fatigué de servir Dieu? Ah, voyez déjà quand je regarde des gens comme ça, non, pasteur, ce message ici, c'est compliqué. Depuis que l'année a commencé, Dieu ne me donne que des messages compliqués. Hmm? Ah ben oui. C'est le temps des overdoses. Jésus revient bientôt. Ah ben oui. Des copines sur Facebook. Hmm. On sait que tu ne fais pas de musculation, mais tu es tout le temps cinglé sur Facebook. Mon frère, il faut prendre tous les Facebook de l'église, tu vas voir ce qui se passe. Ah ben oui. Des habits serrés, ce ne sont pas des mesures exactes qui peuvent faire descendre la gloire de Dieu. Collant, en été collant, en hiver collant, en printemps collant, c'est qu'il y a une mission. Ah ben oui. Ah ben oui, il y a une mission. Ça n'atteindra jamais dans ce lieu au nom de Jésus. Ah ben oui. Collant, 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 collant. Non. La Bible dit habillez-vous décemment. C'est la Bible qui dit, non? Trop de naufrages. Dis à ton voisin, je suis blindé au nom de Jésus aussi. Non. Tout en décollant, comme s'il y a une maladie de collant à l'église. Ah ben oui, je dis tout, je crache tout. Je vais avancer. Ah ben oui, maladie de collant. C'est le général Naaman qui amène ces choses-là dans les églises. Il y a des gens qui croient que ce sont des incontournables. Jésus va vous contourner après ce message au nom de Jésus. Jésus va vous terrasser dans l'église. Ah oui, l'église c'est la maison de Christ. Ah ben oui, il faut servir Dieu avec crainte. Et si moi j'étais venu prêcher en collant, est-ce que vous allez me laisser passer ici? Alors pourquoi vous devez vous mettre en collant là-bas sur le banc?
On va choisir le protocole pour choisir. Si la personne en cola, dehors. On est des anticollants. Anti-pollution. Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras la première de toutes les nations. Donc la personne qui limite à l'action de Dieu, c'est toi. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce qui te fait couler, qui provoque des coulements, des naufrages, des titaniques. Ce sont tes péchés. Tu bâtis ta vie, mais tu la bâtis mal. Tu la bâtis mal. Il y a d'autres personnes qui ne buvaient jamais en Afrique. Arrivé en Europe, c'est des buveurs de vin. Oh, vin doux. Vin doux, vin méchant, vin nin. Ce sont des vins. Oh, ça donne l'appétit. Moi, je suis né avec l'appétit. Quand tu me donnes à manger, je mange sans vin, mais je mange. Ah ben oui, c'est Dieu qui donne l'appétit. Ce n'est pas le vin. Ah, beaucoup sont devenus des alcooliques là. Vous voulez que je dénonce ces choses-là? Dis à ton voisin, arrête de boire. Mais tu es un sacerdoce royal. Il y a une soeur qui a attrapé son pasteur avec une grosse bouteille de l'alcool dans le bureau. Et on lui dit, ça donne l'onction. L'onction ne vient pas de ces choses. L'onction vient, c'est quand on se sanctifie. La Bible dit, à tous ceux qui ont reçu le pouvoir, qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Éphésiens 1, 13, ceux qui ont reçu la parole de l'Évangile, ils ont été scellés à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'alcool qui nous fait sceller. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le maladroit, la fraude. Ce n'est pas l'impudicité. Je parle de ces choses parce que Dieu me l'a révélé. Que Paris, c'est une Babylone en impudicité. Même des pasteurs sont dans ces choses-là. On est fait pour les dénoncer. Ça ne fait pas descendre la gloire. Ah ben oui. Oh, il faut boire un peu. Il faut avoir des âmes sœurs. Que je t'attrape à Paris avec ton âme sœur. Vous allez voir quelle prédication je vais vous faire en cours de route. Ah ben oui. Non, craignez Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Ça fait beaucoup d'années que je suis dans le ministère. Je n'ai jamais convoité une femme. Je n'ai jamais sorti avec une femme. Si Dieu a gardé mon corps, et pourquoi pas le tien? S'il y avait un Nigérian, il dit, keep safe your body. Ah ben oui. Quelle convoitise qui ne s'arrête jamais. Vous allez passer tout à l'heure là. N'ayez pas honte. Aujourd'hui là, nous allons implorer la grâce de Dieu avec les hommes de Dieu pour que tu ne fasses plus naufrage. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il dit que là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dieu vous fait aussi grâce. Je peux avancer ou pas? Il faut me limiter. Hein? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras la première de toutes les nations. Dis à ton voisin, les jours qui viennent, il faut que Dieu t'élève dans ces pays au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je prophétise que tu dois progresser. Tu deviendras une icône dans cette nation ici. Il faut que Dieu élève vos ministères. Il faut que vous progressiez. Il faut avancer. Dis à ton voisin, avance en profondeur. Et j'aime crier. Hein? Regardez dans Luc chapitre 5. C'est Jésus qui rencontre Pierre, professionnel de naissance. Il savait pécher.
Il savait. Et il a dit, il a pêché toute la nuit. Je me demande quel projecteur qu'il avait. Dieu seul sait. Mais en tant que professionnel, rien n'a marché le matin. Ah, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il fallait que le matin rencontre l'homme potentiel, l'homme de la création. Mais écoutez, quelque chose qui s'est passé. Pierre, lorsqu'il a vu Jésus, il a commencé à dire, maître, tout est là. Dieu, à un moment donné, n'a pas besoin que tu lui expliques ton problème. Ce que Dieu veut que toi tu fasses, ce que lui va maintenant te dire. En tant que professionnel, en tant que belle femme, tu as échoué pour le mariage. En tant que professionnel, tu as échoué. En tant que professionnel avec les diplômes, tu n'as pas le travail. Mais je vais te dire ce message et qu'il faut faire ce que Dieu t'a dit de faire. Toute la nuit, Dieu ne l'a pas déplacé de l'endroit qu'il a péché toute la nuit. Il dit, reste là, là où tu es, là où tu as péri, c'est là où Dieu va aussi travailler. Dis à ton voisin, Dieu est maintenant dans son bureau. Dieu est en train de signer un dossier de quelqu'un ce matin. Dieu est en train de signer. Ce matin, les professionnels ont reconnu que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Les professionnels doivent dire qu'il est élevé de siècles et de siècles. Les professionnels doivent dire qu'il est unique. Il est unique. C'est lui qui a rencontré le fils de Naïn. Il est unique. Fils unique, mais il a rencontré le cadavre aussi d'un fils unique. Vous n'êtes pas là pour dire amen. Fils unique. Il rencontre son ami fils unique, mais cadavre. Fais ce que Dieu te demande de faire. Pierre a commencé à parler. Combien de fois toi aussi tu parlais trop? Combien de fois tu es devenu un homme de prière? C'est bien d'être un homme de prière. L'Église encourage. Mais ce que Dieu veut ce matin, apprends à faire ce que Dieu te demande de faire. Toute la nuit. C'est comme si tu as prié toute la nuit, mais il n'y a eu rien. Mais dis ce matin, ce message, c'est Jésus qui l'a envoyé pour m'orienter. Que je continue ou pas? Je ne suis même pas à la moitié. Il y a encore 2 pages. Que j'arrête ou pas? Pas Junior, j'arrête ou pas? Que j'avance? Dans 20 minutes? Dans 5 minutes? C'est beaucoup, je t'assure. Merci Seigneur. Il dit à Pierre, est-ce que quelqu'un peut me lire à haute voix le verset 4 là? Luc 5, verset 4. Mais vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 11e. Si quelqu'un peut me lire ça à haute voix, s'il vous plaît. Continue. Hein? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ah, vous avez compris. Il a échoué toute la nuit. Mais malgré qu'il a commencé à raconter des bobards à Jésus, ça serait mieux au préalable que Pierre devait chercher Jésus avant d'aller à la pêche. Voyez un peu. Il y a certaines conséquences qui nous arrivent parce qu'on n'avait pas consulté le Seigneur. Mais on peut se rattraper par le moyen de l'obéissance, par le moyen de l'humilité, par le moyen de la repentance. On peut se rattraper. Pierre, il a failli expliquer son problème. Jésus a dit, arrête, parce que la nuit avant de partir, on était avec toi, tu ne m'as rien dit. Mais quand maintenant c'est chaud, c'est là que tout le monde a besoin de la solution, n'est-ce pas?
Dis à ton voisin, c'est chaud dans ta vie, c'est chaud dans ma vie. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. Mais il a dit une chose, je vais finir par là. En d'autres termes, il disait, Pierre avance, progresse. Progresse maintenant dans la profondeur. Je viens déclarer sur tout en chacun, cet avant-midi, le Seigneur te fera progresser, quel que soit le domaine où tu as échoué. Le Seigneur te fera progresser, quel que soit le domaine, je le déclare. Et je laisse cette parole, même pour le pasteur Douglas, je prophétise que Dieu va faire progresser cette église dans la ville de Paris. Je ne regarde pas le passé de cette église, mais je regarde la profondeur de l'église maintenant. Cette église ira en profondeur. Il a dit à Pierre, avance dans la profondeur. Avance. Et Pierre a dit, sinon, à ta parole. Donc ça voulait dire qu'il n'y aura plus de paroles des hommes qui peuvent me condamner. Qu'il n'y aura plus de paroles qui proviendront de moi qui peuvent me condamner. Oui, des fois on peut se condamner soi-même. Mais sinon à la parole de Dieu. La Bible dit, tout est soutenu par sa parole. Noé. J'ai fini par ce passage dans Noé chapitre 6. Genèse chapitre 6, merci. Le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait demandé. Il a respecté la mesure de la longueur. Il a respecté la mesure de la largeur, de la hauteur. Même lorsque le déluge est arrivé, la Bible dit le déluge a soulevé l'arche. Lorsque tu obéiras, tes problèmes vont te soulever dans la direction de la volonté de Dieu. Le jeune prophète est mort parce qu'il n'avait pas écouté. Dieu lui a dit, sur le chemin sur lequel tu iras, ce n'est pas le même chemin que tu reprendras, tu ne mangeras pas, tu n'entreras nulle part. Il n'a pas écouté. Il a été mangé par des lions. Je sens fortement dans mon cœur, beaucoup de vies sont détruites. Mais le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la résurrection aussi. C'est le Dieu de la réparation, de la restauration. J'aimerais qu'on nous conduise dans cette chanson qui dit « Fais quelque chose ce matin dans ma vie, Seigneur, s'il vous plaît, ma pasteur. » Et moi, je vais finir par là. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve et elle me suffit aussi. Si j'avais été autant de bon, Jésus, aurais-je été indulgent devant la foi d'Étienne? Ne l'aurais-je pas lapidé comme les autres? Je ne sais pas si j'avais été